Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique sur Resident Evil 2. Je suis accompagné d'Ada, on venait de pénétrer dans les égouts de Raccoon City. Comme d'habitude, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. N'oubliez pas, déjà, le petit j'aime et le petit commentaire pour commencer. Ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. N'oubliez pas non plus de prendre, pourquoi pas, un petit truc à boire, un petit truc à graille aussi. Ça fait plaisir, on va pas se mentir. Et installez-vous confortablement parce qu'on va vivre ensemble une véritable aventure. On venait de s'engouffrer à l'instant dans les égouts. J'ai l'impression d'avoir des balles, mais j'ai aussi l'impression de ne pas vraiment en avoir. Donc c'est assez terrible à ce niveau-là. On verra ce que ça... Ouais, on verra ce que ça va donner. Et vous savez quoi? Seul l'avenir nous le dira. C'est parti, on continue à travers cette petite grille, bien plus que louche. Ada! Ada, tu me suis, hein. Tu déconnes pas, tu restes juste derrière moi, s'il te plaît. Donc ici, bon, on avait vu un truc. Ça, je connais, les gars. Ah, c'est un ver, hein. C'est un ver de terre qui a fusionné ses grands-oncles avec, avec un virus hyper dangereux, apparemment. Peut-être le virus G. Je sais pas encore, on l'a pas revu, mais j'ai pas hâte de le voir. Oh, alors quand vous donnez des balles comme ça, les gars, c'est jamais bon signe. Vous le savez déjà, tiens, on va fouiller au fond. Ada, tu me suis, hein. On arrête les bêtises maintenant, on se sépare plus, Ada. D'accord, j'en ai marre que dans les jeux d'horreur, on finisse par se séparer. Ça finit toujours très très mal. J'aimerais bien un plan des... Oh putain. Encore? Il est encore temps de faire demi-tour, Léon. Sûrement pas. Faudra me supporter jusqu'au bout. Tu vas me parler autrement, Ada? Ok, bon, cette fois-ci on est vraiment dans des égouts, c'est ça le problème. Et je déteste les égouts. Oh, quoi? T'es sûr que c'est par là? Malheureusement. Attends. C'est parti, on court, on se raccroche à la vie. On se saoule. Aïe! Avec le bruit. Wesh! What? Je pouvais pas courir plus vite, en fait. C'est quoi le projet, là? Ok. Eh ben, ça y est. J'ai fini au fond de l'estomac d'une bête très spéciale. C'est quoi le projet? Je peux pas courir plus vite, en fait. Je pige pas, les potes. Peut-être que j'ai pas maintenu croix. Je sais pas. On est reparti. Ou peut-être qu'il faut que je me retourne une petite balle, comme ça, dans les chicos. Et boum! On recourt. Ok, on la refait. Allez, on est parti. C'est de toute évidence un alligator. Et ça fait mal. Et ben on est reparti. Troisième fois. Ah, j'ai compris! Faut esquiver à gauche ou à droite! Damn, Daniel! Ok! J'ai compris, j'ai compris! Ah! Oh, mais c'est terrible! Putain, c'est compliqué! Je peux pas vraiment savoir s'il va à gauche ou à droite! Ok! Damn! Je crois qu'il est mort. Calmé, espèce de saloperie. Ouais! Ouais, pourriture, va! Ah, quelle saloperie, celui-ci! Ok. Bon! Fallait esquive à gauche ou à droite. Chose que... bah, fallait savoir. Quoi? Là. Léon, par ici! Ah! Eh, c'était quoi, ça? Tais-toi et monte. Non mais oh, tu vois... Mais vous allez me parler autrement! Eh, je suis pas votre salope, ok? Je suis pas venu, c'est pour souffrir! Je t'avais pourtant prévenu. Bon, vite fait. T'as dit que ce virus transformait les gens en monstres, pas les reptiles. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis impressionné que tu t'en sois sorti. Je suis aussi impressionné de m'en être sorti. Il est vrai. Ok. Ada, tu caches des choses. Tu es bien trop étrange à mon goût, voilà. Alors évidemment, je connais toute l'histoire de Resident Evil. Qui est... et qui devient
fort compliqué après avec les opus. Umbrella vend ce genre de monstre à qui exactement? À notre armée? À quelqu'un d'autre? Ils ne vendent pas les monstres. Ils vendent les virus qui les créent. Et c'est Annette qui fabrique les virus. Cet alligator avait beau être terrifiant, Annette est bien plus dangereuse. Ok. J'adore les égouts. Je vous l'avais dit, hein, que je détestais les égouts, hein. On est à peine rentré dedans, je suis déjà mort deux fois, les potes, hein. Vous voulez quoi de plus? Ok, là, y'a rien. Là, y'a rien. Attends, je fouille tout. On arrête de me prendre pour un connard. Donc voilà, un retournement, si jamais. C'est arriéron, comme depuis des décennies, présenté l'île. C'est juste que j'en ai pas vraiment l'utilité. On peut déjà save. Et vous savez quoi, on va le faire. Hop, comme on dit, jamais. 203, bien évidemment. Hop, c'est parti. Petite sauvegarde, voilà, hop, bougez pas. Toc, toc, voilà, on passe à la ligne. Hop, ouvrez les guillemets. Hop, voilà, c'est fait. Bon, Ada, elle est où? Ada? Ada? Faut venir, hein. Ok. Elle me laisse en plan. Ça, c'est du William tout craché. Hé, hey, qui êtes-vous? Annette Birkin. C'est elle qu'on cherche? Pas assez de temps. Il faut s'en débarrasser. Nous sommes là pour le virus G. Et puis quoi encore? Dernier avertissement. Ah oui? Hé hey! Arrêtez! Ada! Vous n'aurez jamais le virus G! Je crois que je l'ai sous-estimé. Léon. T'en fais pas pour moi. Vas-y. Surtout, la laisse pas s'échapper. Ok. On va donc jouer avec Ada, je suppose. Non? Oui, peut-être? Oui, totalement, ça y est. Là, on est, les gars... Je suis à l'extérieur de l'installation. Tenue de soirée. Sur la trace d'Annette. Si elle ne l'a pas sur elle, alors ça doit être dans le nest. Quand je l'aurai, je ferai une demande d'extraction. J'avoue qu'elle est mignonne, Ada. Beaucoup mieux que son manteau et ses lunettes de soleil. Mais tu ne m'échapperas pas. Bon, on va voir un petit peu l'inventaire qu'elle a, n'est-ce pas? Et ben voilà, un pistolet 9 balles. Qui veut plus? Ça ne sert à rien. Oh putain, sérieux quoi. On prend vraiment mes couilles pour du parmesan. Ok, là il y a une échelle, très bien. Donc je suis censé courir après Annette. Bouge pas, Léon. Ouais, maintenant je dis Léon, je sais, ça fait mal. Et là, on ne peut pas partir. Sûrement quand j'aurai retrouvé Annette. Allez, on y va direction l'échelle. Un chemin possible pour le moment. Et oui, le détecteur CEM. Utilisez le détecteur CEM pour repérer les câbles et pirater les équipements électroniques. Viser et pirater. Ok, bah vas-y, on c'est l'heure de mon arme secrète. Je l'ai trouvé apparemment... Bref. On y va. Ouais. Ok, je dois être débile. Ah d'accord. Ok, j'ai pas voulu pirater la bonne chose. Très bien. C'est bon? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Et là? Oh! On peut rééteindre. Ça sert à rien, ça c'était pour le spectacle. Bon, très bien. Bouge pas, Lyon. Y'a toujours rien à faire, je suppose. Marche arrière. Non, vous déconnez, les gars. C'est pas possible. Non, mais oui, je refuse d'y croire. Bon, je suis déjà totalement perché. Ah, d'accord. Ah ouais, non, mais les gars, putain, faites un effort. Ok, surchauffe quand ça explose. C'est tellement logique. Un vrai jeu d'enfant. Bah oui, bah oui. Un de plus simple. Va falloir sortir la lampe, hein.
Putain, vous voyez rien, je vois rien non plus. Ça sert à rien de, d'augmenter la luminosité, c'est de la triche. J'ai tout bien réglé en fonction de ce qu'ils préconisent. Ah oui, on peut pirater de super loin, ouais. Okay. Très bien. J'ai pas en fait ça. On va faire exploser cette connerie. Et on va changer et ramener le courant là-haut, parce que ça sert plus à rien de le ramener ici. On y va! Ok. Mourir monsieur, 4 balles, 5 balles, t'as plus de mâchoire hein, à ce niveau-là. Ok. On a quoi là? Inspection septembre, semaine 1. J'ai déjà posté une demande la semaine dernière, mais on a vraiment besoin d'un bracelet d'identification de rechange. Il en faut un pour accéder à certaines zones de la structure principale. En d'autres termes, mon équipe et moi ne pouvons pas aller faire notre travail. Alors, je ne veux entendre personne nous accuser de nous tourner les pouces. Il faut que je trouve le bracelet, hein, vous l'aurez compris. Bracelet d'authentification. Si on n'a rien ici non plus. Attends. Attends, parce que avec cette connerie, hop, ça va où ça? Ça allume juste la lumière? Non, c'est pas possible. C'est tellement débile comme logique. Non, arrête, frérot, là tu... Yes! Allez, on court! Yes, yes, yes! Pas mal, ça! Ah, merci, je préfère. Vache! Oh, il s'est fait bien. Allez, hein. Oh! Non, Brendan! Oh non, faut te sortir de là! Ok, il méritait pas. Non, franchement, personne méritait ça. Personne méritait de finir dans un mur comme ça. Ok! Quoi? Un petit rot, ça arrive. Ok. Je ne fais que passer. Ok. Donc j'ai pas plus de balles, ça sert à rien les gars, vraiment. Yes! Vous me prenez pour un connard là, non? Un deuxième. Nickel, hein. C'est le petit kiff. Oh, what? Attends, comment on va faire? Comment on va faire? Comme ça! Okay. Ah, putain! Hop! J'ai pris ma part. Ah! Putain! C'est par là. Ah, il est tombé de haut, ce con. Ok. J'ai déjà pris ma part et j'ai putain de zéro soin. Ok, une petite flash. Attends, vas-y, tombe, frérot. Enfin, des fois, il y a un petit coup d'accélération là, il fait une petite Mbappé, ce bâtard. Ok. Ah, ah. Allez, hein, salut les gars. La fête est finie, on se casse. Bon, il y a trois zombies derrière. J'ai pris un petit coup dans la carotide, ça arrive, les gars. Ok. C'était bien là-haut. Quoi? Tout simplement un mont de charge. Ça sert à rien de le pirater. Ok. Ça, c'est fini. Maintenant. Saloperie de merde. Tu détales toujours aussi vite, Annette. Je dois le reconnaître. Je suis pas bien, les gars. Non, pas bien. Là, on a quoi? Parce que je vois rien avec ces conneries. Très bien. Ok.
Ah oh, bah, hé, Annette, quand même pas. Je suis mort. Ah, yatta! Oh! Non, t'as pas le droit d'avancer. Non! Non! Oh putain, mais il est là! Arrête! Arrête! Oh putain, j'ai trop la pression. C'est horrible. C'est quoi cet épisode de ouf? Je suis pas venu ici pour souffrir. Ok. Non, c'est bon, lâche-moi gros. Non, s'il te plaît. Les gars, soyez sympas. J'ai rien, j'ai pris une patate, frère. Faut pas frapper les femmes. Non, encore. Non, c'est nul. C'est nul, ce système. Oh là là. Ok. Cher journal, venez m'aider. Help. Oh la vache. Oh, cette pression, mon pote. Et attention, hein, je te parle pas d'Heineken. Hein. Non, non, là, il y en a trop. Il y a trois trucs à ouvrir. Allez, on est mort. Hein. Sur end. Sur end. Non, ouais, d'accord. Ah oui, oui, toujours. Ouais. Et vous savez quoi? On est là pour le plaisir et le beau jeu. Bon. Ok, vous savez quoi? On va juste analyser le terrain maintenant. Voilà, on va rien... Ok, c'est bon, j'ai... Donc, de toute façon, il y aura un truc activé en haut qui va activer ici. Deux chemins. Deux choses l'une. On peut activer cette porte. Voilà. Ensuite, on pourra activer ceci. Faut que je retienne. Donc, un boîtier. Deux boîtiers. Ok. Et peut-être, probablement, trois boîtiers en collant ici. Donc, un. Un, deux, trois. Mais faudra que j'active ici, peut-être. Ou en tout cas, peut-être là-bas. Très bien, on est parti. Bon, il va revenir, hein. Il va revenir. Je vois rien, les gars. Hein. En vrai, attendez, bougez pas, je vais faire un ou deux essais. Ok, j'ai tenté de modifier deux, trois trucs. Bon, ça change strictement rien. C'est la merde pour tout le monde, ok? On va se mettre à respecter. Inspection septembre, semaine numéro 2. Avec le nouveau bracelet qui vient d'arriver, on peut enfin commencer notre analyse de la zone de démolition. Au sujet du rapport de l'autre jour concernant l'incinérateur, c'était rien, probablement un reste de gros déchets. Je vais aller jeter un œil, un coup d'œil, je dirais même. Après avoir bouclé ce rapport. Bon, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, hein. C'est parti, mon pote. Ok. Ok, j'ai pas le choix. Je pensais avoir un fucking choix. Mais j'ai pas le choix. Va falloir que je ramène tout ça là. Et là, il y a forcément quelque chose dedans. Et je me doute que c'est pas... C'est pas un frérot. Ok. Un boîtier. Oh, c'est la merde par ici, hein. C'est qui a fait l'électricité, là?
Ok. Bravo! Vous allez nous brûler, c'est ça? Hors de question, vous touchiez au virus G. Je suis pas la seule à le vouloir. Vous le savez. Alors d'autres mourront. Ok. Ok. Très très bien. Yes, une énigme, hein. Oh, c'est pas mal. Ok. Voilà. Annette, je vais te choper, ma grande, hein. Allez, ça dégage. Hein. Alors, on fait moi les marioles. Bon, ça c'est fait. J'ai pu sortir au calme. Cette garce sait ce qu'elle fait. Ouais, elle nous prend pour des jambons là, les gars. Hein. Elle nous prend totalement pour des jambons. On va save. On va save encore. Je sais, je sauvegarde beaucoup. Chers viewers, venez me sortir des égouts, s'il vous plaît. Je ne vis pas un agréable moment. Accès visiteur confirmé. Votre bracelet est valide jusqu'au 1er octobre. Veuillez le restituer avant cette date. Ok. Risque pas. Ok. On est déjà passé ici ou pas? Bassin de traitement. Ah! Et là-bas, c'est pour faire... marche arrière, je crois. Bougez pas. Si je sais encore lire un plan, normalement oui. Mais avec la pression, on peut dire des bêtises. Oui, totalement. Ok. Est-ce que je peux pas ouvrir cette porte par hasard? Genre, on se demande même pas si Leon, il a encore envie, hein, le frérot. Hein. Parce que si ça se trouve, Mister X, il est passé par là. Il lui a savaté les chicots pendant qu'il était en train de se reposer. Ok. J'en ai marre, hein, d'utiliser mon truc de merde, là. Ok. Putain, mais c'est con, c'est qu'un projecteur, je suis débile. Ça suffit de jouer au chat et à la souris. La partie est finie. Vous avez perdu. Dites-moi, votre mari est encore vivant? Ou vous l'avez tué pour vous attribuer le mérite du virus G? Théorie intéressante. Si vous ne coopérez pas, j'obtiendrai un échantillon du Nest. Il faudra d'abord me tuer. Ok, on fait quoi? On attend la mort? Ah non, je vais rejouer Léon. Ah, ça va mieux! Ada. Ada? Ok, on est reparti de plus belle avec, qui plus est, notre inventaire. Ada, où es-tu? On peut pas aller là. Pirate! Incroyable, encore un nouveau trophée, il y a pas mal de trophées. Le jeu est assez gourmand en termes de cadeaux. Voilà, c'est beaucoup de cadeaux comme ça qui font vraiment plaisir. Hop, on prend le monde de charge, Kada, pas plus loin. C'est pas où, c'est pas ici. Oh! Ok, écluse.
J'adore les écluses. Très très bien. Tout ça, c'est Ada qui l'a ouvert. Ok. Je vois totalement où elle est. On peut save. Eh, vous savez quoi? On va save. Allez, on arrête les conneries. On va littéralement et totalement save. Sauvegarde en cours. Il y a, rappelez-vous, 3 zombies. Je sais pas si on va devoir emprunter le même chemin que tout à l'heure. Ok. J'ai mon spray, j'ai mon deagle, j'ai mon pistolet, petite clé USB des familles. J'ai pas mal de choses, honnêtement. Ça va, j'ai de quoi me... J'ai de quoi me faire plaisir. On va voir ce qu'il en est et si je survis. Ce serait pas mal que je survive, d'ailleurs. On va fouiller un petit peu par ici. Hop. Y'a rien. Un sac de frappe pour géant. Je vais encore me faire plaisir. Allez, hein. On y va. Yo. J'entends des bruits. Ok. Et ça, c'est fort problématique. Ok. On a des escaliers à droite, à gauche, que dalle. La logique voudrait que j'aille aux escaliers. Mais je suis quelqu'un d'illogique. Quoi ? Voilà. Ça paye, mon pote. Ok. C'est qui gerbe ? Ok, j'entends quelqu'un, mais je vois pas du tout qui ça peut être. On va fouiller au bout. On ne sait jamais. Bon, 4 cartouches de pompe. Ça... Ah. Ok. Bon sang. Ah, j'ai plus de couteau. J'ai plus de couteau. Comment on fait pour tout simplement comme ça. Ok. On a quoi là? Oh! Cassette vidéo de l'USS! Ok. Très bien. Est-ce que je peux... Bon, ça peut paraître débile, mais si je l'examine, il y a peut-être quelque chose, non? Opération Nist Wrecker. Très bien. Très très bien. Il n'y a pas grand-chose à analyser. On essaye, les gars. Ça va, mon frérot? Je sais, c'est pas la forme. C'est pas la joie pour moi non plus. Ok. Bon bah Mister X nous a follow. Pourtant je lui ai pas dit que j'allais au Comico, mais bon. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, traitement des eaux. Ici on a quelque chose aussi. Ici aussi. Quoi? Ok. On a une prise. Quoi, pardon? Ah oui, je suis débile. Et... Ouais, les gars. Ok. Hop. Allez, salut mon pote. Bon. Ok. Ça veut dire que si je le remets... Mais là, ça marche toujours pas. Là. Lui va me saouler. Hein. Wesh. Alors attends, 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 je pige pas là. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est débile ce que j'ai à faire. Non, ils sont totalement débiles. Même moi, je viens de me rendre compte en fait. Attends, je comprends vraiment pas là. De toute évidence, va falloir que je le remette en place pour pouvoir traverser. Ok, petite erreur de ma part. Hop, on le remet, hein. Voilà. Ah bah ça c'est du vérin puissant. Ça c'est de l'hydraulique. J'ai reconnu direct. Ah mais là... J'ai pas envie de tirer en vrai. Ouais, finalement je me suis dit... Je sais pas. Je le sentais pas le gars, tu vois. Allez, c'est pas grave. Enfin si, c'est grave. Putain mais merde. Tout le monde se fout de ma gueule ici. Ok. On va voir si... Ok, y'a rien.
Direction le bar. Bon, on reviendra par ici, il y a un composant électrique. Et on a quoi d'autre? Oh, ça c'est très beau ça. Voilà, et si je fais ça, ok, je récupère le couteau. On est bien en équipé. Ok, et eh ben on descend. On est reparti. On va fouiller derrière, vous me connaissez, je fais le tour. On sait jamais. Les petites balles qui prennent, je prends les potes. Ok, y'a rien. Passer par ici. On sait jamais, des petites balles qui prennent, je prends les gars. Y'a rien. Allez, on s'en va. Commence à devenir chiant. Je vois rien. Merde. Ouais. Une petite plante des familles, on adore. Hop, le violet. De toute évidence, j'ai rien à mettre ici. Oh là là. Ah. C'est quoi ça? Une sardine mutante. Je vais aller là-haut, je cabale. Ah, je suis désolé, j'ai dû faire preuve. J'ai dû utiliser la force. À savoir, El Famoso Deagle. Waouh! Trop d'émotion là, on peut arrêter s'il vous plaît? Petite pause? J'aimerais qu'on stoppe là, 2 minutes. Attends, je vais save moi, hein. C'est bon. Hein. Là les gars, j'en ai pris plein la gueule. Waouh, combien j'ai mis de balles de Deagle? Oh. Je crois, j'ai mis 5 balles de Deagle. J'ai mis une balle de pistolet. Ça, c'était bonus. Et 2 balles de pompe. J'aurais pu en mettre qu'une seule, malheureusement. Hop, il y a quoi d'intéressant? Moi, je vois pas, frérot. Hein. Je comprends pas ce que tu dis là. Il y a rien du tout d'intéressant dans les égouts. Ah! Bon. Email au QG d'Umbrella. Directeur Owens, des alarmes se sont déclenchées dans tout le Nest. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'entends des tirs et je n'arrive pas à joindre mon chef de section. On est pris au piège. Envoyez de l'aide au plus vite. Directeur Owens, la situation ici est désespérée. Le Nest a été contaminé par le virus. C'est incroyable. Le système de sécurité ne s'est pas activé. Il a été installé par des sous-traitants? Je suppose que oui, mais pourquoi? Meyer et Kim sont morts. Je n'arrête pas de tousser. Pourquoi vous ne répondez pas? Docteur Owens, vous... C'était vous depuis le... Bip! Où est-elle passée? Depuis le début. Tu l'auras compris. On a quelque chose à faire ici. On a... Là, tu commences à me parler, mon pote. Enfin, une langue qui m'intéresse. On peut s'arrêter, les gars, là, par contre? Ah oui, d'accord. Ah, hop, ça dégage. J'ai totalement rien. Y'a vraiment rien à faire, ici? Pas un petit truc à activer pour aider la... La sœurette? Non, derrière. Non plus. Et derrière ici. Non plus. Voilà. On a essayé de fuir. Oh là là, c'est terrible. On va passer par là. Une save, s'il vous plaît. Non, j'aime pas ce bruit. En vrai, j'étais même pas obligé. J'étais même pas obligé de le tuer, le truc dans les égouts. Aïe. Allez, carte des égouts. Oh damn! Comment ça j'arrive? Non, j'arrive pas.
Ok, on va save. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Parce que là, ça va être super hard. On verra tout cela la prochaine fois. Évidemment. Allez, à bientôt. Oh là, il y a trop de trucs ici. Hein. Ok, je sais qu'il va falloir remettre un composant ici. À bientôt tout le monde. Il y aura beaucoup de lectures aussi. Ciao, ciao.